voir les gars. Des paysans, on se bat à leur côté pour que leurs paroles soient entendues dans le Parlement européen. Aujourd'hui, on est le 31 mars. C'est le dernier jour des quotas laitiers. Les quotas laitiers, c'était quoi? C'était la possibilité de maîtriser les volumes de lait pour garantir un prix. Et un prix qui couvrait les coûts de production pour les paysans. L'Union européenne a décidé en 2003 de démanteler tous les outils de maîtrise. Les volumes vont augmenter et les prix vont s'effondrer parce qu'il y aura plus de volume que ce qu'on est capable de consommer. Ça va être ça le problème. Et la conséquence concrète, c'est que beaucoup de paysans vont produire en dessous de leur coût de production. Et des milliers de familles paysannes vont être chassées de leurs fermes. Et elles vont être remplacées par quoi? Par des grandes usines à lait, comme on a vu en France, la ferme des 1000 vaches, ou des fermes de 2000, 5000, 10 000 vaches laitières. The milk producers are the only ones suffering from low prices. In the rest of the chain, no one suffers from this low prices, only the milk producers. And in the Treaty of Lisbon it said that the dairy policy should provide for stabilized markets and a fair income for farmers. And they just do not do what's in the Treaty of Lisbon. So we say to European parliamentaries, do your job. Aujourd'hui, la Commission européenne, les États, le PPE et les sociodémocrates sont complices dans cette destruction de l'agriculture paysanne européenne.